Allez, on a Zoulou avec nous. Comment vas-tu, Zoulou? Eh bien, ça va. Je suis un petit peu enrhumé, mais bon, c'est anecdotique. Mais très y a content d'être là pas de et de soucis. Pouvoir ouvrir. 96 le... rouge feu. Non, 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 les gars, dites pas n'importe quoi. On va ouvrir du très lourd, là, Zoulou, non? T'as vu un petit peu? Là, il y a du potentiel. Hein. En vrai, il y a du potentiel. En vrai, il y a du potentiel de ouf, quoi. Fantôme, c'est très très cool. Fantôme du passé, t'en as ouvert beaucoup ou pas en vrai? Oui. Tu vois la boîte que t'as là? Ouais. J'en ai ouvert 50. Donc 150 boosters en tout. Alors, ça a été la plus grosse ouverture que j'ai jamais faite, je crois. Une armée de cœur pour Zoulou, s'il vous plaît, évidemment, pour l'accueillir. C'est la première fois qu'il est parmi nous, peut-être. C'est et on vrai. Espère pas la dernière, quand même, ça serait con. Ça serait oui, c'est con. Vrai. Mais t'as ouvert donc 100. Alors, parce qu'il faut savoir que dans ces boîtes-là, il y en a 5, c'est des tripacks. Donc, c'est pas beaucoup en vrai. Hein. Ça fait en gros 5 x 3, bah, quoi. En fait, ça fait 15 boosters. Ça prend de la place en termes de volume. Mais c'est sinon, ça. C'est 3 boosters, c'est voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. Et est-ce que t'as eu des ghosts? Je vais pas te mytho que j'en ai eu 3. 3 fois la même, par contre. 3 fois la même. Mais non, 3 fois la même. T'as eu laquelle? C'est le dragon blanc alternatif que tu vois sur la pochette là, à droite là, tu très vois. Très bien. Sur la boîte. Ok. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un playset. En termes de compétition, parce que moi je suis un joueur en fait, vraiment Yu-Gi-Oh! Moi, c'est je, ça, on vraiment, va... quand j'ouvre des cartes, c'est vraiment pour les jouer. Et c'est pile ce qu'on appelle un playset, c'est-à-dire tu peux en mettre 3 dans ton deck et jouer avec. Sauf que j'ai perdu un pari et je dois faire gagner ce dragon blanc aux yeux bleus sur mes réseaux. Voilà, et lui dire ciao bye, quoi, tout simplement. Quoi. C'est la mal. Vie que j'ai décidé de mener. Ça quoi. Fait mal. Ça fait mal, ouais. Mais alors attends, il est estimé à combien cette carte que tu as eu 3 fois là? Si je dis pas de bêtises, ça doit être aux alentours de 200 euros, je crois. On est. Tac, 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 je regarde. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas la plus chère. C'est pas la plus chère du pack. Parce que là, on est vraiment sur un pack récent. Donc les prix, on va dire que le but, c'est que t'as des cartes vraiment dans la display pour que les gens puissent créer un deck et jouer, machin, etc. Il y a des cartes de collection qui valent quand même bah voilà, plusieurs centaines d'euros. Donc je dirais, dans ces packs, les ghosts, elles valent entre 100 et 600 euros. C'est laquelle, la 600 euros? La magicien, je suppose. C'est le magicien, ouais. Il vaut plus 550, quoi. Mais voilà, je suis assez large dans mes fourchettes. Mais le but, c'est vraiment voilà, que les gens puissent jouer. Par contre, ces cartes-là, avec le temps, elles vont prendre de la valeur, quoi. C'est sûr, quoi. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Alors, je suis pas un expert de la collection. Là-dessus, ça va plutôt être mais c'est la première fois qu'ils font ça, non? Les fantômes du passé.
En fait, la rareté Ghost, c'était une rareté qui existait déjà dans oui, Yu-Gi-Oh, ouais, mais qu'ils avaient arrêté, quoi. Et justement, avec les fantômes du passé, ils remettent les Ghosts dans le jeu avec justement le magicien sombre, le dragon blanc aux yeux bleus alternatif, etc. Et d'ailleurs, le magicien sombre, qui en ce moment même dans Yu-Gi-Oh, dans la méta compétitive, d'accord, est joué. Alors que c'est une carte que tout le monde connaît et que tout le monde a eu potentiellement dans les mains quand il a acheté son deck il y a beaucoup trop longtemps, j'oserais même pas compter. Eh bien, c'est toujours joué actuellement, quoi. Bah d'ailleurs, justement, on va vous montrer un petit peu plus le display parce que les gens ils kiffent de ouf. C'est vrai qu'elle est belle, c'est un beau tripack qu'ils ont fait. Ouais, honnêtement, c'est incroyable, je la trouve très très belle. On va les déballer parce que même les boosters ils ont quand même de la gueule. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Zulu, mais. Non, bien sûr, ah, ils sont beaux. Je trouve qu'ils ont clairement de la gueule et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder. C'est extrêmement beau, beaucoup plus beau que les tripacks Pokémon. Alors pour le coup là, mais c'est le délire fantôme un peu, c'est-à-dire bon, en fait c'est que c'est tout ultra le booster simple. Est aux couleurs, c'est ultra simple, ouais, en fait, c'est ça. Sobre, c'est ça. Non, mais là c'est très bien joué de la part de Konami. Est-ce qu'on a une date sur les fantômes du passé? C'est 2021, 2020. C'est cette année, fantômes du passé. Tu me poses une petite colle, mais je vais te checker ça, je vais te dire ça dans une seconde. Ah, c'est sorti fiable, hein. Le 15 ouais. avril. On aurait dû appeler Ghost. Non, non, mais regarde. Doc Seven. Hein, c'est... 15... Merde. On rigole. Non, mais on t'inquiète. Mais d'ailleurs, il y a Doc qui m'a dit, écoutez, si vous avez besoin, je suis peut-être dans les parages, machin et tout. Et tu sais, quand on parle de cartes et d'ouverture de cartes, Doc Seven, il est jamais très loin. Il y a trois boosters, les potes, dans chaque paquet. C'est des tripacks, c'est ce qu'on appelle des tripacks, donc un pack de 3, voilà, tout simplement. Ces trois boosters, ça n'existe pas en display. Enfin, ça n'existe pas en display comme vous voyez Vortex à droite. Ça n'existe pas, bah, ça n'existe pas autrement qu'en tripack, en fait. Zulu, ouais. On va parler un tout petit peu de toi avant d'ouvrir quand même, parce que je sais qu'on est en soirée opening, mais on a quand même le temps. Né en 1966 dans les hauteurs d'Écosse, dans les hauteurs de Dunkerque. Ça connaît. Non, alors, déjà, je me permets, on va faire un petit peu décousu dans le désordre. T'as sorti quand même une vidéo assez insane, en tout cas de ta carrière. Donc comme tu dis, t'es joueur avant collectionneur, Doc Seven est plus collectionneur avant joueur. T'as déjà fait des tournois, des compétitions, tu vas nous en dire un petit peu plus sur tes palmarès et tout. Mais surtout, t'as quand même sorti une vidéo où t'as interviewé Antoine Griezmann. Donc, exactement. Honnêtement, c'est beau. Très bonne vidéo. Allez la voir d'ailleurs sur Super Zulu. C'est gentil. Super Zulux. Il y a un X à la fin, même si c'est vrai. Prononce je sais pas pourquoi j'ai mis ce X, mais il est là. Mais il est là, il va te couvrir toute ta vie, je pense. Mais bon, c'est tes choix. C'est tes choix personnels, évidemment. Ça n'influe pas les choix des autres. Donc, allez la voir. T'as interviewé donc Antoine Griezmann. T'as pu lui poser plein de questions autour de Yu-Gi-Oh et tout. Alors, déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre s'est faite? Parce que. Je sais qu'il y a quelque chose en particulier, mais on va te laisser annoncer un petit peu ce qui s'est passé autour de ce joueur et de ta vidéo. Alors, c'est très simple, en fait. Juste, Antoine Griezmann, il va juste accomplir un truc que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, enfin énormément, voire quasi tous les joueurs rêveraient d'avoir. Il va juste avoir une carte Yu-Gi-Oh! À lui, dans le jeu, qu'on va pouvoir ouvrir hein, dans un pack où on n'a pas encore de date et tout sur la sortie. Apparemment, ça devrait être cette année, mais juste, il va avoir une carte. Alors, elle va pas s'appeler normalement Antoine Griezmann, ouais. Mais ce sera une carte qui va s'appeler genre, je sais pas, Grisou. Antoine Griezmann aux yeux bleus. Et qui va le sorcier Grisou. Qui va du coup faire écho à sa personne, à ce qu'il est, ce qu'il représente, ses passions, etc. Et qui, je l'espère, sera assez incroyable pour pouvoir la jouer en tournoi ou en tout cas pour la collectionner, quoi. Et côté pour aussi avoir un système de version limitée finalement de la carte. Est-ce qu'on sait si c'est une ultra rare, secrète rare, super on a rare? Zéro info. On était là justement, nous on avait plein de questions là-dessus et tout. Et ouais les gars, je peux pas vous répondre encore pour l'instant. On va garder le suspense et tout. Moi, je pense que ça serait une secrète rare. Ça serait débile de faire autre chose, tu vois, quelque chose de trop facile entre guillemets à avoir. Ce qui est possible, en fait, je sais pas comment c'est dans Pokémon ou dans les autres TCG, mais dans Yu-Gi-Oh, l'avantage c'est que une carte peut sortir. Et d'ailleurs, on le verra dans les packs que tu vas ouvrir aujourd'hui. Elle peut sortir en secret rare et dans une rareté encore au-dessus, en Starlight ou en commune et en ultra rare ou machin, tu vois. Il n'y a pas de. C'est pas juste cette carte, elle existe
en un seul exemplaire dans une rareté qui est donnée, elle peut vraiment avoir plusieurs raretés. Donc tu peux vraiment l'avoir en holo, en version pas chère, quoi, pour la mettre dans ton deck, machin et tout, ou en version ultra chère pour soit la jouer dans ton deck si t'as vraiment des coronets, soit la garder pour collectionner, etc. quoi. Donc on sait pas, ce qui est possible c'est qu'il la sorte en plusieurs raretés, ou on ne sait pas, on attend. Et d'ailleurs il y a une très bonne question à ce sujet là, il y a combien de personnes dans le monde qui ont leur carte Yu-Gi-Oh? Bah je pense que il y en a une pour l'instant, deux avec Antoine Griezmann. Ouais, je pense que. Et qui est cette personne alors? C'est qui cette première personne? Alors, j'allais dire c'est un enfant, mais à l'époque c'était un enfant, aujourd'hui il a grandi. C'était en fait un enfant qui a fait son souhait avec l'association Make a Wish. Ah oui, okay. Et il a juste dit, bah voilà, moi en fait j'adorerais avoir une carte Yu-Gi-Oh! Et donc, Konami, ils ont fait, écoute, trop bien, tu veux une carte Yu-Gi-Oh! On va t'en dessiner une. Et il a eu sa propre carte Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle. Taylor the Greatest Warrior, je crois, quelque chose comme ça. Vache, stylé. Et du coup, le mec, il a eu sa carte, quoi. Et en fait, heureusement, il a guéri et il a donc aujourd'hui. Ils ont retiré la carte. La carte est annulée. La carte est annulée, ça sera pour un autre vœu. Voilà. Il a eu des propositions d'achat, mais t'imagines astronomiques pour sa carte. Hein. Il l'a jamais lâché, quoi. Ah, attends, Konami a fait une carte pas trouvable, c'est pour lui. Il l'a. Oui, okay, voilà, d'accord. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est oui, en un seul exemplaire, c'est pour toi, c'est cadeau, machin, etc. Ah, ça, c'est vraiment stylé. Hein. Alors, ah ouais, mais ça, c'est un peu ouf. Le truc, c'est que ça, c'est littéralement, je pense qu'on peut le dire, hein, parce que les gens aiment bien quand ça parle d'argent et tout, c'est littéralement quelque chose d'incotable. C'est-à-dire, c'est une œuvre unique, c'est quelque chose d'unique. C'est comme le kit presse, par exemple, Last of Us et tout. Tant qu'il n'y en a pas sur le marché, on ne peut pas donner de prix. Est-ce que tu as une idée des propositions qu'il a pu avoir, ou est-ce que tu as une idée d'une valeur que ça pourrait avoir? Bof. Il y a des rumeurs à plusieurs dizaines de milliers de dollars, quoi. Après, c'est que des rumeurs, mais pour une carte unique qui, en plus, a une histoire... Ça peut même aller bien au-dessus quand tu vois des Dracofeu qui sont pas uniques, hein. Mais bon, si, en PSA 10, mais quand tu vois des Dracofeu qui partent à des 10 000, 15 000, 16 000 en PSA 9, bon, je pense qu'à mon avis, c'est plusieurs dizaines de milliers, ou peut-être franchir Oh, c'est sûr qu'on n'est pas loin, effectivement, je pense, des... Attends, je suis en train de compter les chiffres, des 6 chiffres. Je pense qu'on est entre 5 et 6 chiffres pour ce genre de carte. C'est effectivement dur. Ça dépend vraiment ton interlocuteur que tu as en face de toi qui veut t'acheter ta carte, à combien il est prêt à mettre pour te faire craquer, quoi. Et la question est-ce que cette carte, elle est utilisable en compétition? Alors j'ai un doute. Parce que ça, c'est la question qui colle. Il y en a une dans le monde et le mec il arrive, il te sort The Great Saiyaman. Tyler, non, c'est chaud. Ouais. Alors attends, je vais essayer de récupérer une. Elle est dans la bad list. Je rappelle que la carte est visible sur internet. Vous tapez carte unique pour Make a Wish Yu-Gi-Oh! Par exemple. Tyler, The Great Warrior, quoi. Donc, écoute, il n'y a pas de mention, ne peut pas être joué en duel sur la carte. Et il me semble qu'elle ne fait pas partie de la ban list, donc je pense qu'il est capable de la jouer. Et est-ce qu'on sait ce que fait la carte, l'effet de la carte? C'est une carte piège, c'est une carte créature, c'est quoi? C'est un monstre. D'accord. C'est un monstre. Alors je suis en train d'essayer de lire son effet parce que la photo elle est. Le mec c'était son rêve, on lui fait un monstre. Quoi. Ouais. Putain. en même temps c'est cool quoi, genre il a. Non mais c'est genre incroyable, évidemment, mais qui rêverait. Je kifferais ma carte. Moi. Mais justement tu disais tous les joueurs rêveraient, je peux t'assurer que même dans le chat, et Dieu sait qu'il y en a pas des, il y a des joueurs Yu-Gi-Oh dans le chat, mais il y en a aussi qui ne jouent pas Yu-Gi-Oh, qui veulent juste voir du suspense ou qui aiment les openings, mais tu leur proposes à n'importe qui, je pense, sur Terre, tu leur proposes une carte à leur effigie, bon, tout le monde saute, hein, tout le monde plonge là-dedans. Non, mais on est d'accord. Mais on va pas se mentir, c'est aussi une fierté dans un jeu que t'aimes. Et là, je parle même pas dans un jeu de cartes, tu vois. Même dans un jeu vidéo, tu vois, un skin, quelque chose. Avoir un skin, une statue dans une ville, tu sais, genre dans World of Warcraft, tu te balades dans la capitale des orques. Et puis là, t'as l'effigie de ton personnage en statue, tu vois. Et t'es là en mode, putain, j'ai marqué le jeu à jamais. Justement, t'as déjà un de tes skins, quelque part? Quelque chose qui te représente? Non, rien du tout, moi, je suis triste. Je sens que t'es en cours de négo, là. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre Yu-Gi-Oh? Et pourquoi Yu-Gi-Oh?
Alors que tu... Enfin, on va pas se mentir, il y a Pokémon, il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de trucs, bien sûr. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, Yu-Gi-Oh, j'ai découvert, j'étais en primaire, hein, clairement, je rentrais de l'école, je traçais ma mère là sur la route, je courais pour arriver à l'heure où je pouvais regarder Yu-Gi-Oh sur Canal J. Et puis quand les cartes sont sorties, en fait, pour moi, c'est même pas une question que je me suis posée, c'était, mais en fait, je veux des cartes, quoi. Donc j'ai tout fait pour en avoir, j'en ai eu. Et juste avec mon groupe de potes dans mon quartier, excuse-moi. C'était toutes les semaines, tous les jours, à chaque anniversaire, on organisait un tournoi ensemble. Ah oui. J'ai les photos, tu sais, devant mon gâteau d'anniversaire, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il y avait la coiffe de Yu-Gi-Oh sur le gâteau et tout. C'était le gâteau d'ailleurs, c'était la tête de Yu-Gi, le gâteau. Mais tu vois, on a vraiment grandi avec ça, tu vois. On organisait des tournois chez nous, tu sais, c'était vraiment nos petits rituels, quoi. C'était vraiment, c'était dans notre quotidien. Et puis, donc j'ai beaucoup joué au jeu, quitte à même délaisser un peu l'animé, tu vois. C'est-à-dire que l'animé Yu-Gi-Oh, je l'ai jamais fini. Je pense que j'ai même pas fini. Il y a combien de saisons? J'en sais rien, je ne sais pas. Et ça continue. Enfin, on est d'accord que ça ne continue. Ah ouais, ça continue. Alors, ça continue. Plus diffusé en France. C'est plus diffusé en France. Les animés continuent au Japon. Mais attends, il y a personne qui peut s'occuper de diffuser du Yu-Gi. On peut le trouver en français quand même. Quelqu'un qui fait les sous-titres. Sur Netflix, on peut regarder les premières saisons. Alors je crois toute première saison. Ils l'avaient diffusé, ils l'ont enlevé, mais il reste encore. Quelques saisons. Je crois savoir pourquoi. C'est parce que c'est ADN qui a les droits de diffusion. Ah, donc si jamais c'est vous voulez, ouais. Parce que justement, j'ai vu il y a une semaine. Je me suis dit, ok, je veux pas passer pour un con, on va replonger dans Yu-Gi-Oh, on va au bout des choses. J'ai réinstallé Duel Links, je commence à y jouer et je me retape sur ADN la saison 1. Et il y a un truc qui me fascine, je voulais qu'on en parle vraiment. Ouais. C'est qu'en fait, mais c'est du génie, l'animé Yu-Gi-Oh, bah, c'est littéralement un animé sur le jeu de cartes. Ah ben oui, c'est fou, je veux dire... Pokémon, bon, les gens se battent pour avoir des cartes Pokémon, mais dans l'animé, on parle jamais de cartes Pokémon, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de voilà. Dans Yu-Gi-Oh, et je crois que les saisons suivent les extensions, suivent les nouvelles cartes et tout en plus. Oui, il y a clairement un lien dans les cartes qui sortent et les cartes physiques qui sortent et l'animé. Mais en fait, le truc, c'est exactement ce que tu as dit. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Yu-Gi-Oh, c'est contrairement par exemple à Pokémon où tu dis que bah, voilà, c'est les combats de Pokémon, du coup les combats de monstres, et toi tu peux jouer aux cartes pour, on va dire, simuler ce combat de monstres, quoi. Ouais. Alors que dans Yu-Gi-Oh, non, les mecs ils jouent aux cartes, toi t'achètes les cartes, c'est les mêmes, et tu peux faire la même chose qu'eux, tu vois. Et c'est ça qui m'a happé quand j'étais gamin, c'est de me dire, en fait, genre, je fais la même chose que dans le dessin animé, tu vois. C'est... Enfin, tu vois, je sais pas si je suis clair dans mes explications. Non, t'es parfaitement clair. Hein. Et question bonus, combien de fois dans ta vie t'as dit c'est l'heure du duel? Beaucoup trop de fois. et combien de fois tu l'as dit, mais avec le du qui, tu vois, qui se répète? Tu sais, même avec le disque de duel au poignet, tu sais, avec. Je crois qu'on l'a tous eu. Oui. Mais oui. Ce disque de mort, tu le déploies, il n'y a rien qui va, les cartes tombent, c'est flingué, mais putain, on l'a tous eu parce que ça abîme tes cartes en plus, c'est vraiment. Non, mais c'est une catastrophe, mais c'est comme faire les kamehameha dans ta chambre, on a tous essayé une fois. C'est flingué, tu ressembles à rien, mais. Ne m'y tenez pas, on l'a tous mais fait. Mais oui, mais on est jeunes, évidemment. Et combien de fois t'as dit à toi de jouer? Mais exactement avec cette intonation et tout. Trop de fois aussi, en fait, quand t'es gamin et que tu joues à Yu-Gi-Oh, tu copies tout l'anime parce que tu peux faire exactement même chose. Ça. Donc effectivement, les gimmicks, les decks, tu copies, les trucs, les machins, enfin, c'est vraiment, c'est Griezmann d'ailleurs qui nous racontait ça quand on est allé à Barcelone, quand on l'a rencontré. Lui, il prenait des cartes et il jouait en même temps que le duel, tu vois, pour affronter l'adversaire de Yu-Gi, machin et tout, quoi. Et d'ailleurs, en revenant sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir encore une fois sur la chaîne de Super Zoulux. En reparlant de cette vidéo, est-ce que tu as un petit truc à nous dire, une petite anecdote, un petit truc qu'on ne voit pas dans ta vidéo ni dans celle de Doc7? Parce que forcément, tu as pu parler avec lui un petit peu avant, au milieu, après, pendant le tournage, etc., etc. Quelque chose qui ne figure pas sur la vidéo, une petite anecdote qui peut être sympa. Ou un ressenti, ou voilà, quelque chose de... d'exclusif. Tout ce que je peux vous dire, c'est que regardez bien ces prochaines célébrations pendant l'Euro. D'accord.
Non, c'est okay. pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah putain, d'accord. Il va sortir non, un il va sortir un deck de son short et tout. Je suis le footballeur sombre, à toi de jouer. Non, je suis le sorcier dribbleur. Le truc c'est que le jour même, c'était intense parce que il avait pas énormément de temps, tu vois. Il avait une petite après-midi. Nous on était beaucoup de youtubeurs, tu vois, à le rencontrer. Vous étiez combien ? Il avait j'ai pas le chiffre exact, tu vois, mais on était un petit peu moins d'une dizaine, tu vois. En France ? Non, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Espagnols, okay. tu vois, enfin il y avait Il y avait l'Europe quoi. Ouais, voilà, il y avait l'Europe quoi. Tu m'autorises à diffuser une de tes vidéos vite fait ? Ah oui, non mais oui, vas-y, fais-toi plaisir. C'est juste pour montrer vas-y. Pour montrer en fond pendant que tu nous causes. Je t'en prie, ouais. Hop, ça, voilà, on est bon. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu en fond ton installation et tout, parce que les gars, quand on vous dit que Super Zulu, il est fan de Yu-Gi-Oh, c'est que les potes, c'est brodé sur la chaise. Oui, non mais faut comprendre qu'on en est là. C'est brodé sur la chaise, donc t'as carrément les cosplays, enfin le costume derrière. Ah, j'ai tout. Je vais pas mytho, je vais pas faire le gars machin. T'as une pas très très belle installation. Franchement, je te le dis honnêtement. Je te remercie. T'as une très belle install. Je te remercie, mais en fait je vais pas mytho. Aujourd'hui, je me suis fait un kiff, c'est-à-dire que je suis maintenant streamer et youtubeur indépendant, parce qu'auparavant je travaillais pour le stream, ouais. Donc pour une chaîne vraiment, pour laquelle j'étais salarié et je travaillais, etc. Et aujourd'hui je suis indépendant et je me suis dit, bon, en fait, je vais faire uniquement ce qui me plaît. Actuellement, ce qui me plaît, bah, c'est du Yu-Gi-Oh! Alors certes, c'est très niché. On va pas se mentir que aujourd'hui, quand je live sur ma chaîne, je parle vraiment aux fans de Yu-Gi-Oh! Ou aux personnes qui ont envie de découvrir Yu-Gi-Oh! Bien sûr. Mais par contre, mon pote, je me suis dit, je vais faire ça, mais je me suis fait une install. Effectivement, je suis 5 étoiles chez moi pour pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh! Incroyable. J'ai toute ma collection de cartes à côté avec des bases de deck préfait, machin. Je peux jouer ce que incroyable. Je non, mais là, les gars, c'est chez lui, hein. C'est pas chez Konami ou autre, c'est chez lui. C'est, exactement. Voilà, hein, c'est... Exactement. Je peux vraiment jouer ce que je veux, me faire plaisir. J'invite un pote. On s'installe, on joue, j'ai pas besoin de régisseur machin parce que mes caméras elles sont contrôlables à distance avec des ce qu'on appelle des presets. En gros, j'enregistre des positions et je dis bon bah voilà, quand j'ai mon pote, il fait telle taille, tu t'enregistres telle position. Ensuite, quand j'ai besoin d'afficher le tapis duel, regarde voilà, là j'appelle la position. Ça se met, etc. Et du coup, je peux vraiment jouer à Yu-Gi-Oh! Matin, midi, soir, manger de la carte et plus quoi savoir en foutre, mais juste m'amuser, me faire kiffer. Et voilà, c'est vraiment ce qui définit un petit peu le contenu que je fais aujourd'hui. Et franchement, je suis plutôt content et fier de ce que j'ai réussi à créer comme installation, parce que aujourd'hui, c'est vraiment un pur kiff, quoi. Ah, mais c'est entièrement mérité. D'ailleurs, je voulais te dire GG là-dessus, parce que je te suivais un petit peu de loin sur le stream. Donc, bon, t'étais chroniqueur, tu travaillais pour eux, voilà, tu faisais ton boulot. Et t'as décidé de devenir indépendant. Donc, ça, déjà, c'est respectable. Merci. Parce que t'as quitté la sécurité pour tenter l'aventure toi-même. Et le pire, c'est que, en plus, t'es joueur Yu-Gi-Oh! Mais t'insistes dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, t'aurais pu faire la facilité de dire eh, vas-y, je vais aller vers Pokémon, ça rapporte plus. Ou Dragon Ball, ou peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et t'es resté dans Yu-Gi-Oh! Tu restes dans Yu-Gi-Oh! Donc, t'as formé le club Yu-Gi-Oh! Exactement. T'as fait ton installation avec des caméras et tout. Honnêtement, c'est respectable de ouf. Et je trouve ton installation giga BG gros. Je pense que là, vraiment, t'étais. En France, t'es juste le boss en termes de duel. Ça doit être hyper appréciable pour tes amis qui viennent t'affronter. Ah, eux, ils sont contents. Ouais. Eux, ils sont contents. En plus, t'inquiète pas que, vu que moi, j'ai. Vraiment, mon but actuellement, c'est avoir toutes les cartes compétitives c'est chez bon. Moi pour ouais, c'est, aujourd'hui jouer, putain. Ouais. Aujourd'hui voilà je suis là, je me dis ah j'ai envie de faire tel deck, je peux juste me lever de ma chaise et faire le deck et jouer 10 minutes après, et du coup je leur prête des cartes machin et tout, tu connais, du coup eux ils sont trop contents, tu vois, ils sont là en mode ouais t'aurais pas cette carte à prêter et tout, t'aurais pas ce deck et tout, et je fais vas-y passe à la maison, viens chercher, et puis du coup eux ils sont contents quoi. Mais vraiment Le but, c'était d'être à l'aise pour faire ce qui me plaît, et puis ça fonctionne bien, donc c'est cool. Bah honnêtement, GG, donc ça c'est son installation. Alors c'est dans une pièce de combien de mètres carrés pour que les gens se figurent, s'imaginent un peu combien de place finalement t'as utilisé ? Alors c'est littéralement dans mon garage, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, je me suis dit, dans un premier temps, je vais m'installer dans mon garage, je vais voir un petit peu comment ça marche. Pourquoi tu trouves ça étroit ? Bah en fait, un garage, pour un streamer, c'est grand. Mais pour installer un studio, c'est très petit.
Tu vois, parce que quand quand tu dois installer un bureau avec ton PC, ton petit décor derrière, peut-être même un petit coin canapé machin et tout, avec une console et tout, ça passe quoi. Mais quand tu veux installer un studio, une régie, c'est clairement ce que j'ai moi. Zoulou, je te coupe là. Ouais. C'est quoi la dinguerie que tu me sors? Tu poses une carte et comment ça la carte elle apparaît pour que les gens voient en net et tout? C'est quoi cette sorcellerie là? On a taffé. Mais non, mais attends. Non, là faut que tu m'expliques cette sorcellerie. Comment c'est quoi? C'est t'appuies sur un bouton et genre ça alors, envoie. En fait, là j'ai un pote. En fait, on est trois. On est trois. Ah, attends, je réfléchis à quelle vidéo. Non. En fait, là j'ai juste un pote qui regarde le live et qui j'ai créé un outil avec une base de données de toutes les cartes Yu-Gi-Oh. Tous les decks que je joue sont répertoriés sur cette base de données. Et comme ça, nous on pose nos decks. Il sait quel deck on joue. Il va les chercher dans la base de données. Et comme ça, il peut afficher les cartes quand elles arrivent au fur et à mesure dans le duel. Ce qui permet aux gens de pouvoir lire la carte, la découvrir s'ils la connaissent pas. Et du coup, d'avoir la meilleure expérience possible pour suivre des duels Yu-Gi-Oh quoi. C'est sincèrement honnêtement je vais les gars là c'est pas du pipage, moi vous connaissez mon honnêteté hein. je commence à être connu pour ça d'ailleurs depuis quelques années. C'est sincèrement le meilleur setup que j'ai vu en termes de jeu de cartes de France, vraiment. Ça me fait grave plaisir franchement, du boulot hein. Ça les gars c'est quali de ouf pour un truc aussi quali. Et il est resté dans ce qu'il aime, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh! Ouais. Alors qu'il aurait pu se dire hey, la facilité c'est Pokémon, c'est ci, c'est ça et tout. C'est quali de ouf, honnêtement, gros GG. Ça c'est de l'inspiration oui. Ça hein. À deux doigts d'aller à la guerre, tu te fous sur la gueule quoi. En fait le truc c'est que au moment où je pars de chez le stream, j'avais une émission sur le stream qui s'appelait d'ailleurs Club Yu-Gi-Oh! Donc qui est vraiment ce format là que du coup j'ai repris hein. Je leur ai demandé hein, le stream hein. J'ai fait bon bah je m'en vais, est-ce que vous allez refaire Club Yu-Gi-Oh? Est-ce que je peux du coup refaire chez moi? Ils ont fait vas-y frère, éclate-toi, amuse-toi avec tes cartes, il n'y a pas de problème. Mais je ne voulais pas que mon départ et que le fait que j'arrive en indépendant soit au détriment de la qualité et de l'expérience pour les gens. Donc j'ai vraiment taffé, je me suis posé, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il me faut? Quelle caméra j'ai besoin? Quel micro j'ai besoin? Tu vois, et j'ai pris point par point. Et j'ai essayé d'avoir une qualité égale, voire mieux, sur tous les points. Avec les contraintes que j'ai, qui sont l'indépendance, le fait que la plupart du temps, je suis tout seul à animer et faire la régie, parce que vraiment, j'ai pensé mon studio pour ça, quoi. Ouais, vraiment, pour avoir mes écrans de retour, j'ai des stream decks sur les deux côtés, et j'ai une commande vocale qui me permet de faire 2-3 trucs qui sont un peu trop relous à faire pour pouvoir garder en rythme. Tu vois, j'ai les points de vie qui défilent, etc. Ça, c'est un pote, par exemple. Ça, c'est mon pote ouais, en régie. Forcément, sinon, tu dois t'arrêter à chaque fois et tout. C'est un enfer. Ça s'arrête plus. Après, QC qu'on voit d'ailleurs sur mon pote QC avec qui je joue. Qu'on embrasse. Il est développeur et il m'a aidé à faire une petite application sur mon Stream Deck pour pouvoir, quand j'ai pas de potes qui sont en régie, faire moins 500, moins 1000, des trucs voilà, comme ça. Exactement. Putain, et avoir cet affichage en direct. Avec la petite animation, avec le petit bruit, pour garder quelque chose de cohérent et de propre. C'est un GG de ouf. C'est un GG de ouf. Donc t'as acheté avec tes moyens, t'as fait ta pièce entièrement Yu-Gi-Oh, t'as acheté tes caméras et tout. Exactement. Ta caméra, c'est simple curiosité professionnelle. Ouais. Ta caméra, elle est sur rail? Tu as mis ça sur rail? Non, en fait, non, pas du tout. Mes caméras sont des caméras tourelles qui sont pas du tout sur rail en fait. Ils sont posées, enfin. Enfin, ça dépend ce que tu veux dire, effectivement. Ma caméra au-dessus, elle est effectivement fixée sur une barre, quoi. Ouais. Mais si tu veux, en elle-même, elle bouge pas, son socle ne bouge pas, mais elle pivote sur plusieurs axes et elle peut zoomer jusqu'à x30 pour aller, des fois, quand je fais des opening packs, ben voilà, juste. Et tu peux, avec un stick ou autre, aller chercher l'endroit que tu veux viser? Ah ouais, exactement. Mais en fait, c'est beau. Mieux que ça, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai enregistré des positions, et là, si je suis en duel, en plein duel, je peux dire, en fait, mon assistant vocal s'appelle Makuba, qui est en fait le petit frère de Kaiba dans le dessin animé. En tout cas, ton setup, bon bah voilà les gars, vous voulez apprendre quelque chose sur le setup de Zoulou, allez, check sa chaîne Twitch, Super Zoulou aussi.
Exactement. Voilà, et chaîne YouTube Super Zoulux. Voilà. Je dis le X vocalement pour pas que vous l'oubliez, les potes. Parce t'as que raison, t'as raison. Donc Super Zoulux sur Twitch et sur YouTube. Vous apprendrez plein de choses. Vous verrez des duels des fois très tendus avec plusieurs decks différents et tout. T'as une collection relativement impressionnante. On va parler un tout petit peu d'argent parce que les gens ils aiment ça. Ouais. T'estimes à combien ta collection de cartes en vrai ? Eh ben ça c'est la question que tout le monde me pose et je te jure, je mytho pas, je ne sais pas. Alors donne-nous en fait, un râteau. Je sais que en 3 ans pour mon émission Yu-Gi-Oh, j'ai acheté 8 000 € de cartes à l'unité pour faire tous mes decks. À l'unité, mais... ok. Mais t'as des displays anciens ou autres, non ? Non, moi je collectionne pas de l'ancien, je collectionne pas du scellé. D'accord, ok. Mais je pense que ma collection, elle doit monter dans... Je sais pas, dans les 20 000, dans les 25 000. Franchement, c'est bien, j'en sais c'est rien. Bien, c'est en beau, fait, c'est beau. Quand j'ai repris, j'ai tout acheté en brocante. Je faisais des brocantes et je rachetais des collections pas cher, machin et tout. Et c'est comme ça que j'ai repris le jeu, en fait. Parce que au départ, moi j'adore les brocantes. C'est un truc, je fais une petite parenthèse. C'est ma vie, je sais, machin et tout. Mais j'adore quand il fait beau, aller me balader, aller chiner, machin et tout. Et sauf que au départ, moi je chinais des jeux rétro. Mais toi-même, tu sais, les jeux rétro en brocante, si tu te lèves pas à 6h ou 5h30 du matin pour être le premier qui voit la mamie ouvrir son coffre et dire « Oh, combien vous vendez votre NES ?» et puis machin, c'est tu n'auras jamais rien. C'est voire introuvable. À 11h, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais chiner en brocante que des rabatteurs ou tu vois, des gens qui… » Des scalpeurs, clairement. Ouais. Qu'est-ce qui reste en fait qui pourrait me plaire? Et je me suis dit, oh putain, mais en fait, Yu-Gi-Oh quoi. Et en fait, c'est pile au moment où chez le stream, on avait investi dans un studio pour faire du jeu de société. D'accord. Et moi, je me suis dit, mais attendez, les gars, en fait, si on fait du jeu de société, je peux proposer une émission Yu-Gi-Oh. Et ils ont fait, ah ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Et j'ai dit, écoutez, je veux bien un petit créneau dans la prog, une semaine sur deux, un mercredi en début d'après-midi, tranquille, tu vois. J'ai demandé un petit créneau. Parce que je voulais pas qu'on me reproche d'avoir imposé un de mes caprices ou tu vois un de mes délires qui ne plaisait pas. Et en fait, ça a tellement fonctionné que c'est devenu un créneau récurrent, un rendez-vous et que les gens ils ont trop kiffé. Nous aussi. Et là, j'ai replongé dedans et ça y est quoi. Là, ça a été la porte ouverte. Par contre, à des achats de cartes, en veux-tu, en voilà. Ouais, machin, la terre tombée dedans, c'est terminé. On t'a perdu dans Yu-Gi-Oh là. C'est clair, ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Peut-être championnat de France en top 3, un championnat d'Europe Écoute, en ce moment, justement, moi, je me mets pas mal au compétitif parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Quand j'ai repris avec le Yu-Gi-Oh! D'il y a 20 ans. Au début, je me suis dit, je vais me faire un kiff de nostalgie, tu vois. Je vais racheter les cartes en brocante que j'avais quand j'étais gamin. Et c'est ces cartes-là que j'utilise dans mon émission. Et petit à petit, je me mets au compétitif. Et je commence à kiffer de plus en plus. Donc ouais, un résultat dans un tournoi, dans un gros tournoi français au championnat de France ou au championnat d'Europe ou des tournois d'envergure européen, un petit résultat, ce serait cool quoi. Ok, donc un petit résultat dans un tournoi européen, c'est vrai que ça serait cool. Et comme tu disais, parce que ça, faut qu'on en parle aussi pour les potentiels joueurs qui aimeraient... Alors, justement, on va terminer. Après, on va enfin passer à des ouvertures et tout. Mais c'est toujours... J'adore parler, alors forcément, quand on a des invités et tout, c'est toujours sympa de parler. Là, imaginons, dans le chat, il y a des joueurs. Des joueurs qui reprennent ou qui ont envie de reprendre et tout. Qu'est-ce que tu conseillerais à des joueurs pour commencer à plonger dans les trucs un peu plus sérieux, style tournoi et tout? C'est-à-dire, est-ce que tu leur conseilles d'aller voir les boutiques de cartes de leur ville, les tournois, le premier pas pour commencer à passer aux choses sérieuses? C'est très intéressant comme question. Je vais essayer d'être le plus pertinent possible. Mais j'ai fait vraiment une vidéo qui explique tout ça, qui s'appelle « Comment reprendre Yu-Gi-Oh! » en 2021. Mais je vous la fais en bref. Excuse-moi. C'est assez bon. Je vous la fais en bref. Voilà, merci à toi. Mal, merci à toi et bonne soirée, Zoulou. Merci. Excuse-moi. Non. Le premier réflexe à faire quand on a envie de reprendre Yu-Gi-Oh! C'est de se rapprocher de personne. C'est-à-dire, soit de chercher un groupe de joueurs de votre ville sur Facebook. Parce que j'ai lâché Facebook. Je suis désolé. Mais dans les jeux de cartes, Facebook, c'est encore beaucoup prisé, beaucoup utilisé par les communautés. Tout simplement parce qu'on peut encore faire les événements, tu sais, événements, tournois,
à tel endroit, je participe pas, j'envoie une invitation, machin et tout. Donc les communautés, elles sont vachement basées sur Facebook. Ouais. Donc soit essayer de taper au bluff Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non, groupe Yu-Gi-Oh! Paris. Tout simplement, ouais, ou Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tournoi, Paris, Yu-Gi-Oh! France, ouais. Machin et tout. Clairement, ouais. Soit. Je suis désolé, je suis en train d'étouffer. T'sais. Non, il n'y a pas de souci. Tant que tu nous claques pas en live, moi ça me va. Donc. Il est en train de perdre des points de vie là. Il a pris 800 points de vie. Ah, pas bien, là. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, c'est un coup du roi déchu des montagnes. Jette le dé vite. Prends ton temps, je vous t'inquiète. On va combler le truc. Je vais essayer, ouais. Donc, soit essayer de faire une petite recherche sur Facebook. Au bluff en tapant le nom de votre ville ou mettant juste Yu-Gi-Oh! France ou Yu-Gi-Oh! FR, pardon. Soit essayer de vous rapprocher de votre boutique de jeux de société ou de jeux de cartes de votre ville. Et ça, c'est le top. En fait, il faut vraiment essayer de se greffer au tissu de joueurs à côté de chez toi pour se faire des potes, trouver des gens qui ont les mêmes ambitions que vous et le même niveau que vous à Yu-Gi-Oh! Parce qu'effectivement, si vous voulez juste jouer vite fait à Yu-Gi-Oh! Et que vous tombez sur un groupe de joueurs compétitifs hardcore, bah forcément ça va pas matcher, mais essayer de trouver voilà des gens qui sont un peu dans le même délire que vous pour pouvoir commencer, c'est la meilleure chose à faire. Donc chose intéressante, hésitez pas, ayez pas peur. En plus on va pouvoir ressortir pendant que Zulu il se remet de ses états. Ouais. En plus on va bientôt on peut ressortir, ça y est. Les boutiques vont pouvoir réorganiser des tournois et tout. C'est le moment, il fait beau. Et puis, sortez, faites-vous des contacts. Ça fait des connaissances, ça mais fait ouais, des nouveaux mais potes ouais, et tout, mais les c'est gars. Ça, il y aura. Des fois, vous rencontrerez des darons de 40 ans qui vont jouer à Yu-Gi-Oh! Et on s'en fout, faites-vous des contacts, c'est toujours c'est sympa. Ça. Après, vous vous retrouvez dans boutique à chaque fois pour jouer ou autre, parce qu'il y a des boutiques qui proposent de jouer dans des salles ou autre à part. Faites des concours de boosters et tout. Voilà, c'est ça. Faites des et ça, c'est mes meilleurs souvenirs Yu-Gi-Oh! Ça. Hein. Mais by far. Hein. Comment trouver une boutique Yu-Gi-Oh! Les gars, vous tapez, je ne sais pas de quelle région vous êtes, vous allez sur Facebook et vous tapez par exemple 84 Yu-Gi-Oh! Département 84 Yu-Gi-Oh! Peu importe. Et c'est trouvable. Alors, on a tous une boutique de jeux de société ou jeux de cartes ou jeux vidéo même, mais qui mélange aussi, qui vend des jeux de cartes avec une petite arrière-salle, des trucs et tout. C'est en largement trouvable, vraiment. Alors attends. Je suis en train de checker, mais il me semble que sur le site officiel yugiohcard.com, il y a un outil pour trouver une boutique. Ah voilà, trouver un magasin. Effectivement, je vais je vais ça regarder. Très intéressant, ça. Oui. Et dès que, enfin, je regarde en off là, dès que j'ai trouvé le bon lien, je vous le balance sur soucis. Le chat. Comme ça, ça permet effectivement juste de faire une recherche pour voir s'il y a une boutique officielle près de chez nous et. Chez laquelle on peut frapper pour commencer à se rapprocher ou faire des tournois et tout. Et ben nous en attendant, tu sais ce qu'on va faire le temps que tu trouves, on va faire un petit tirage au sort, on va tout simplement ouvrir la boîte de fantômes du passé, on va commencer par les fantômes du passé, on va mettre ça de côté tranquillement, bien au calme. On va ouvrir cette boîte